L'année 2018 sera celle des nouveautés pour le groupe M6. Après avoir lancé à l'état sauvage et Island, la sixième chaîne du canal serait sur le point de proposer un tout nouveau jeu d'aventure aux téléspectateurs. Inspiré d'un concept britannique intitulé The Brigde, ce dernier mettrait en scène une dizaine de candidats échoués sur une île. À la quête d'un trésor de 100 000 €, ils devront, ensemble, participer à la construction d'un pont. En effet, le pactole sera situé à 300 mètres du rivage où ils seront échoués. Une fois le pont construit, les membres de l'équipe auront la lourde tâche de désigner le candidat le plus méritant. Ce sera ensuite à son tour de faire un choix crucial, garder l'argent pour lui tout seul, ou bien le partager avec la totalité des candidats du programme. Comme tous les jeux d'aventure présentés jusqu'ici sur M6, Mick Horn et Stéphane Rothenberg figurent évidemment parmi les favoris pour écoper de l'animation. Sauf qu'aucun des deux ne sera disponible pour les tournages. En effet, Mick Horn a annoncé il y a quelques semaines qu'il quittait M6 pour se consacrer à de nouveaux projets. De son côté, Stéphane Rothenberg, lui, sera en plein tournage pour la nouvelle saison de Pékin Express. Alors pour présenter ce nouveau programme inédit, la chaîne aurait pensé à Christophe Deschavannes ou Olivier Mine. Selon Thierry Moreau, qui a révélé l'information à l'antenne de CNE, plusieurs animateurs externes au groupe M6 auraient en effet été approchés ces dernières semaines. Reste à savoir lequel d'entre eux acceptera la proposition.